Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Robocraft, chers amis. Avec un détail, c'est que j'ai encore oublié hier de lancer le jeu. Donc faut que je pense absolument à lancer le jeu tous les jours, ce sera la première chose qu'il faudra que je fasse. Ce qui fait du coup que je retrouve avec une Rusted. Voilà. Un truc tout caca. Voilà. Bon, voilà pour ça. Moi je vais juste vous quitter l'espace d'une seconde, histoire de retrouver le temps de faire quelques petites choses avant de lancer l'épisode. C'est juste parce que je viens d'y penser en fait et que ça m'a choqué de pas y avoir pensé moi-même. Et au passage je vous annonce aussi quand même que le jeu a été fixé, donc un problème a été résolu, c'est-à-dire que vous ne trouverez plus de cubes blancs dans les Protonium Crates normalement. Voilà, c'est une petite annonce. Donc moi je vous retrouve tout de suite, chers amis, à tout de suite. Voilà, chers amis, donc on part avec le fameux Tiger, hein. Le White Tiger, qui est vraiment stylé, hein, quand même. Hein. Qui est vraiment stylé. Ok. Et donc, on va essayer. Donc, notre rôle sera de choper des tours. Oups, pardon. Alors, allons-y. Oula, le tir de sniper qui part très très loin. Donc, je reprécise quand même, chers amis, que le jeu vous récompense mieux maintenant pour les Protonium Crates, en tout cas. Il vous donne donc bel et bien accès, entre guillemets, si je puis dire. Et voilà. Oula, je me trompais de touche par contre. Ce qui n'est pas bon. Hop, voilà, c'est un échec. Et notre ami n'a pas récupéré la tour. On va la perdre parce qu'eux, ils vont la bourrer, en fait, tout simplement. Vous allez voir. Hop. Deux. Trois. Ok, on a été repérés. Ils sont plutôt remontés contre nous, faut être honnête, hein. Et notre robot est assez solide malgré tout, hein. Oula, il y a une saloperie avec nous. Par contre là il redescend, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il était passé entre guillemets en mode hélicoptère. De toute façon il va falloir un petit temps de prise en main, chers amis, je pense, hein. Hop, raté. Oui, comment ces petites... ces petites bombeurs nécessitent de... de viser juste, malheureusement. Hop, je crois qu'ils... Bah oui, du coup, j'ai utilisé mon invisible, mon ghost module. Trop tôt, enfin pendant le combat, donc c'était pas bon. Par contre, ça aurait été mieux que mes alliés, plutôt que de prendre la tour de manière complètement superflue, voilà, s'attaquent à leurs ennemis. Ok, on y retourne. Cette fois-ci, on va aller choper la tour. Et on va y arriver du premier coup. Ce serait pas mal. N'oubliez pas de spotter les ennemis. Hop. Ok. Où est-ce qu'on a oublié quelque chose? Voilà. C'est pas grave. Oh! Bon, on n'a pas le dessus. Clairement, on n'a pas le dessus, chers amis. On n'a clairement pas le dessus. Putain, si normalement... Ah! Oh, ça devrait enlever le spotted. Ça devrait enlever le spotted. C'est mon avis, mais... je pense que ça devrait être le cas. Hop. Hop.
Vas-tu y arriver? Oui, c'est bon. Il y est arrivé. On a reperdu une tour. Il y a du monde. Perte de temps. Non? Tu crois pas? Ok. Tu pourrais m'aider à le choper celui-là ou pas? Parfait. Si on peut avoir de la régène. On va essayer de surprendre notre adversaire. Hop. Ok. Occupe-toi de moi, t'as raison, y'a pas de soucis. Oh, le shotgun, je l'ai pas vu venir. J'ai pas vu le shotgun venir, c'est bien joué, c'est bien joué, c'est bien joué. Et on s'est fait défoncer par le shotgun. Bon. Bon, bon, bon. Tout dépendra du nombre de flops, parce qu'on devra faire... J'ai remarqué, on avait remarqué, chers amis, ensemble, que les shotguns étaient plutôt efficaces en hélicoptère. Y'a peut-être une idée à tenter. Eh ben non. Oh, la gueule! Hop. Hop. T'es mauvais. Hop. On tente la régène. On a un allié qui est sur la tour. On va essayer. On a même plusieurs alliés qui sont sur cette tour. On va donc essayer de faire des choses. Voire même, on va partir en mode invisible. Attaquer leur protonium réacteur. En mode discret, chers amis. En silence. En mode Razmot. Oh merde! Hop! Oui, on va faire un kill! Non! Oui! On l'a eu! On l'a eu! Hop! Hop! C'est pas grave. Laissons-les nous buter. Y'a pas de pépins. Voilà. On leur a fait une ligne complète. J'espère qu'ils ont bien stressé. Alors je sais qu'on est en retard niveau level, hein. Mais vous inquiétez pas, c'est pour la bonne cause. Il est joli le sien aussi. Il est joli le sien aussi. GG les mecs. Hop. Il y a un shotgun qui tire sans cesse. Ok, parfait. Ok, peux-tu te remettre correctement? Bon bah écoute. Parfait, encore plus parfait. Hop. Il se planque. Oh. C'est nul ça comme cloque. On va pas gaspiller nos tirs. Hop. Hop les. Voilà.
Oups. Je n'ai plus mon Ghost Module. Hop. Très particulier à manœuvrer, il n'empêche. Hein. On en a reperdu deux. Hop. Voilà. Putain, ça serait bien de viser juste, Marcus. Hop. Dommage. Hop. Parfait. Moins parfait. Moins parfait. Beaucoup moins parfait. Ah, dommage. Help! Dommage. Dommage, dommage. Je n'aurais pas réussi à me régène. Et nos potes, je sais pas ce qu'ils font. Ils défendent pas le point. Il y en a un qui s'est barré. Donc je pense que c'est un GG. GG. Ah! Non, ce n'est pas un GG. Je pense que si, hein. Donc qu'est-ce que vous me dites? Bonjour, salut, alors content pour ta tour. Bah oui, c'est normal. Bonjour. Au passage, j'en profite, chers amis, pour vous parler de trois petites choses. Oh, je viens de repop. Hop. Hop. Lui il m'attend au shotgun. Allez, viens, viens voir papa, voilà, c'est bien. Tu sais pas utiliser d'autres armes, de toute façon. Ah si, t'as une SMG, peut-être deux SMG. Tu stack les trucs. Pff, oh là 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 là. Et dire que ça passe. Mais enfin bon, il y aura sûrement un robot comme ça qui existera un jour dans mon équipe. Bon, oui, donc au passage, chers amis, vous avez réclamé des ouvertures de box. Bah écoutez, ce que je peux vous proposer, si vous le souhaitez, hein, vous me dites ce que vous en pensez, hein, c'est une proposition. J'en ai déjà parlé à certains d'entre vous qui ont trouvé la proposition intéressante et qui ont dit qu'ils étaient capables de le faire, qu'ils avaient envie de le faire, mais qui avaient des doutes sur l'intention, c'est-à-dire est-ce que ça n'allait pas faire un petit peu je réclame votre argent. Mais si vous le souhaitez, en fait, je peux ouvrir un pot commun et suivant en fait ce que vous mettrez dans le Pokémon, dans le pot commun, pardon, pas dans le Pokémon, au bout de par exemple une ou deux semaines, moi j'aviserai au vis-à-vis de la. D'accord, et ça déconnecte en plus, c'est bien. C'est bien Paul Rox. C'est bien Paul Rox. Je crois que c'est Paul Rox, hein. Ouais, c'est Paul Rox. Parce que je regarde toujours en haut à gauche, ma chère amie. Mais c'est affiché à droite. Je peux ouvrir un pot commun, suivant ce que vous mettrez donc directement dedans au bout d'une ou deux semaines. Et bah tout simplement, moi je choisirai la box en fonction. Et je ferai un épisode ouverture dessus. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Et on verra ensemble si oui ou non c'est intéressant. Voilà, voilà tout ce que je peux vous proposer, chers amis. Hop. Alors, c'est une défaite. C'est une incroyable défaite. Bon, on va repartir dans une battle. Moi je vous dis à tout de suite, chers amis. À tout de suite. Je suis stupide, je vous montre même pas. Donc, voilà ce que j'ai gagné. J'ai gagné un drapeau australien. Voilà. À quand le. Ah non, néo-zélandais. Néo-zélandais, pardon. Je suis nul dans les drapeaux, moi. Je suis absolument nul dans les drapeaux. De toute façon, j'étais nul en géographie en règle générale. Mais enfin bon. On repart avec, chers amis, on repart avec. A tout de suite.
Heureux, chers amis. Donc, qu'est-ce qu'on a dans l'équipe? Qu'est-ce qu'on a dans l'équipe? D'accord. Un de ces fameux double shotgun. Ok, allons-y. Hop. On va essayer de se passer un petit peu en avant. Oh. Vous allez y arriver les mecs ou pas? Voilà. Il va falloir un sniper pour cette... Hop, on spot les ennemis aussi. Ils sont assez loin. Hop. Le spot là, j'aimerais bien l'avoir spoté. Ah si, ça y est. Hop. D'accord. Ok. L'avantage c'est que plus ou moins plus je me fais détruire, plus je vais être rapide à me déplacer. Hop. Donc ça c'est plutôt bon. D'accord, je peux pas le spotter lui s'il vous plaît. Merci. Ils sont trop nombreux dans la zone, demi-tour. Oui, oui, bah vas-y, allez-y, tirez-moi dessus, y'a pas de problème. Hein. Je continuerai ma progression. Y'a pas le moindre souci. Au final, ce serait peut-être pas mal d'avoir un module de téléportation. Ah, fais chier. Hop, là, tu m'as perdu. Et il m'a retrouvé. C'est pas grave. C'est ma mort, c'est tout. Ok, il lui s'est défoncé. GG. Ok, c'est reparti, on y retourne. En train d'essayer de réfléchir à quel type d'armement je pourrais placer sur ce robot. Pourquoi pas en retirant le Ghost Module et en l'ajoutant sur le serpent. Ou sur le, comment, le... Enfin le serpent, le Worm, pardon. Oh là là, on peut pas voler. On ne peut pas voler, chers amis. C'est énervant. Est-ce qu'il y a un quelconque snipe dans notre équipe capable de buter ces mecs? On va éviter de gaspiller toute notre énergie. Il y a un putain de Tesseract. Hop. Voilà. Écoute, moi ça me dérange pas. Merci le Tesseract qui me rentre dedans pour faciliter la visée de son allié. Hein. Y a pas d'autre raison. Enfin bon. C'est comme ça. Alors. Ce robot est efficace dans la capture de tour, mais pas dans sa capacité à se défendre lui-même.
C'est là qu'est le véritable problème de ce robot. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Est-ce qu'on pourrait pas placer un lance-roquette? C'est à ça que je réfléchis, chers amis. Ah, ce serait bien qu'on vise cet objet-là. Je suis désolé. Et au moins le courage de regarder dans la bonne direction. Hop, voilà. Crac. Merci. Hop. Je vais mourir. Hop, on va essayer de se baisser. Hop. Allez. Hop, c'est bon. Wouh. Ok. Toutes nos tours se font attaquer. Et ce putain de Tesseract m'emmerde, chers amis. Je le dis. Ces choses ne sont pas censées voler de toute manière. Hop, j'ai utilisé mon truc au mauvais moment. Dommage. Je vais me faire tirer dessus par la saloperie qui est... Non, c'est un allié. C'est un allié. Bon, bah écoutez, on va profiter. Hop. Hop. Je sais, je devrais pas m'arrêter de tirer, mais m'arrêter de bouger, mais. Wow, tu te calmes. Essaye d'avoir celui-là, ce serait cool. Hop. On va essayer de faire notre boulot d'aller choper les tours. Hop. Parfait. GG à toi. Je sais. Aïe. Aïe. C'est marrant, je m'envole. Vas-y, bute-le. Bute-le. Hop. Dommage, j'ai pas eu le temps de me régénérer. Ai-je encore le moindre canon? Ah, oh, dommage. Je vous highlight des ennemis, j'espère que vous les tirez.
Ok. Hop. Parfait. Oui, je sais, je suis dessus. Ils sont en train de nous récupérer une autre tour de toute façon, donc c'est pas bon. C'est pas bon pour le moment. Hop. Putain. Tu permets? Hop. Bien joué. Aïe. Aïe. Oh la vache, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, chers amis. Et c'est dommage parce qu'on va pas pouvoir repop avant longtemps normalement. Voilà, 40 secondes. Bon. Robot efficace dans certains domaines. Et pas avant un certain niveau. Donc il faut vraiment s'occuper du rush des tours. Et essayer de timer pour avoir un maximum de points au niveau des tours. GG. Vas-y, encore un. GG. La plancouille, t'as raison. Hop. C'est ce que je devrais faire aussi. Hop. Hop. Parfait, on va attendre régénérer un petit peu en plus l'énergie. Hop. Allez, mais meurs! Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, j'ai vraiment un gros problème de DPS. Faut pas que je m'occupe des ennemis, sauf ceux qui sont déjà affaiblis. Vous me direz, celui-là était déjà affaibli, mais pas suffisamment. Vous avez vu le nombre de tirs que je lui ai mis et le peu de dégâts que je lui ai fait? Par contre, ça, c'est pas censé exister, quoi. Oh là là. Oh là là. C'est pas censé exister. Par contre, ils prennent une dérouillée d'un seul coup. Hop, GG. Vas-y, fuite. Utilise fuite. LOL's Midnight attaque fuite. Allez, fais quelque chose. Quoi? Oh, mais ça me saoule ceux qui font ça. Kenny BS là, bien joué. Oh, d'accord. En fait, non. C'est une mise à jour, génial. Eh bien écoutez les amis, tant pis, on va se retrouver plus tard pour un autre épisode. Merci d'avoir regardé celui-ci, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, ne pas trop le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à me commenter la vidéo quant au fait d'ouvrir un pot commun, donc le site pot commun, lepotcommun.fr. Et voir pour une version de box. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez, hein. Dites-le moi dans les commentaires, je mettrai peut-être même une fiche pour que vous puissiez faire un stropole entre guillemets, un sondage. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens et yop.